Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne d'inspiration YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une clé très importante auquel peut-être on ne pense pas, ou dont on n'a pas conscience, en tout cas dont beaucoup de personnes n'ont pas conscience, et qui est fondamentale, essentielle pour tout simplement être en paix dans notre vie, être en harmonie et être en bonne santé. Cette clé, en fait, c'est de comprendre que dans l'univers, il y a des lois, et par rapport à ces lois, c'est d'être aligné sur ces lois, c'est-à-dire de les respecter. Si on observe autour de nous l'univers, la nature, le monde dans lequel nous évoluons, en fait, on s'aperçoit et on sait, y compris de manière physique, d'un point de vue aussi astronomique, d'un point de vue physique, on sait que l'univers obéit à des lois. Alors, il obéit à des lois physiques, mais pas que. Il obéit aussi à des lois beaucoup plus subtiles, et notamment des lois d'harmonie, à des lois d'équité, de justice, à des lois d'équilibre. Si l'on observe l'univers et la nature, tout est, en dehors de l'intervention humaine, tout est en harmonie, en équilibre, et tout est juste, en fait, dans la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se recycle, etc. Tout est juste. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes inclus dans cet univers, donc ces lois opèrent aussi sur nous, agissent sur nous, sont en nous, et, comment dire, nous sommes nous aussi dirigés par ces lois. Et donc, ça signifie que nous devrions être en adéquation avec ces lois pour répondre positivement à ces lois afin qu'elles puissent s'exprimer dans notre vie, et que nous puissions nous aussi être en harmonie et vivre l'équité et la justice. Lorsque nous avons des comportements inappropriés, je vais développer cela, nous sommes en dehors de ces lois. Si nous ne sommes pas dans le respect de ces lois, et je vais vous dire par quel comportement possible, eh bien nous sommes hors la loi. Nous ne sommes pas en adéquation avec ces lois, et à partir de là, cela va avoir des conséquences très importantes dans notre existence, parce que c'est comme si on se mettait hors du jeu, quoi, hors de la loi, hors de l'équilibre, hors de l'harmonie. Et du coup, notre vie, eh ben, elle va être perturbée. Alors, je vais vous donner des exemples. Dans l'univers, le monde, cet univers qui a été créé répond à des lois spécifiques, précises, qui sont des lois d'harmonie à la base. Donc lorsque nous avons par exemple des comportements inappropriés comme le fait de se mentir à soi-même et en même temps de mentir aux autres, le fait de chercher à s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas, le fait de chercher à rouler quelqu'un, à voler quelqu'un, à lui prendre quelque chose. Le fait d'être médisant sur les autres, le fait d'être violent, destructeur, de détruire la vie, des vies. Il faut savoir que la vie est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de divin, et dans le fait de détruire la vie, etc., etc., enfin, plein de comportements qui ne sont pas justes, qui ne correspondent pas à quelque chose de juste, qui ne correspondent pas à l'équité, à la justice, à l'harmonie, à l'équilibre, qui sont des lois universelles, font que nous devenons par rapport à l'univers hors la loi. Nous nous écartons donc de l'équilibre de l'harmonie. Et de ce fait, ben, en conséquence, ben, nous en récoltons vraiment de la disharmonie, et nous-mêmes, de l'équité et de l'injustice. Et parfois, nous nous étonnons dans notre existence qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait de l'iniquité, etc.
Mais avons-nous conscience aussi de notre propre comportement qui a pu conduire à cela? Alors, il ne s'agit pas de se jeter la pierre parce que il n'y a rien de plus mauvais que la culpabilité. Je reviendrai dans une autre vidéo sur le fait que nous sommes tous des belles personnes et que si parfois nous avons des comportements inappropriés, c'est parce que nous avons été blessés. Simplement aujourd'hui, en entendant cette vidéo, vous devez prendre conscience de ces lois pour rétablir l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Chaque fois que nous avons un comportement inapproprié ou que nous avons eu des comportements inappropriés, donc que nous étions hors la loi universelle d'harmonie, d'équilibre, d'équité, cela donc crée des tensions et un stress très important au niveau cellulaire et au niveau interne et au niveau psychique. Ça crée des tensions importantes et un stress important parce que nos cellules aussi sont reliées à ces lois d'harmonie. Et donc lorsqu'on n'est pas dans ces lois, c'est un stress très important au niveau cellulaire. Et donc cela peut à terme aussi créer de la dégénérescence cellulaire et des problèmes de santé. Lorsque nous avons des comportements inappropriés, parfois nous n'en sommes pas toujours conscients, parfois nous en sommes conscients. Aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience de vos comportements. Et s'ils ne sont pas justes, de les ramener à quelque chose de juste, c'est vraiment important. Parce que de toute façon, on ne peut pas être bien quand nous avons des comportements qui ne sont pas justes. Je doute que même des personnes qui, peut-être, sur le moment, se satisfont d'avoir roulé quelqu'un ou d'avoir eu un comportement à l'égard de quelqu'un non approprié et puis peut-être en être satisfait, mais au bout du compte, peut-on être vraiment heureux en ayant des comportements comme ça? C'est pas possible. Donc on voit bien que il y a quelque chose qui cloche et c'est le fait qu'on n'est pas justement en adéquation avec les lois universelles. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de cela, de corriger nos comportements s'ils ne sont pas appropriés, d'aller vers ce qui est juste, d'être respectueux de la vie, de respecter les autres. Et à partir de là, on s'aligne sur ces lois d'harmonie, d'équité et d'équilibre, ce qui va ramener l'harmonie à tous les niveaux, y compris au niveau de notre santé, dans l'harmonie dans notre vie. Et à tous les niveaux, et je répète, y compris au niveau de notre santé. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que parfois il y a des personnes qui ont des problèmes de santé et qui s'étonnent pourquoi. Alors comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les 11 piliers de la santé parfaite, il y a pu y avoir multi-causes, mais une des causes, c'est lié, bien sûr, à un comportement qui n'est pas juste par rapport aux autres, en fait, par rapport à la vie, tout simplement. Et le fait de changer cela peut nous ramener à la santé. Le fait de devenir juste, honnête, respectueux, etc., va nous ramener aussi dans la santé et va ramener l'équilibre et l'harmonie dans notre vie. Ou pas, si nous ne le faisons pas, eh bien nous allons continuer à vivre l'effet miroir de ce comportement qui va produire dans notre vie des difficultés continuelles et perpétuelles. C'est pas le fait d'avoir une mauvaise étoile, c'est le fait de mauvais comportements. Aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience de cela, à rectifier le tir si c'est le cas, de manière à retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie et la santé dans votre vie. Voilà, j'en ai terminé. J'aimerais vous poser une question. Que vous inspire cette vidéo? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir écouté cette vidéo? Partagez avec moi vos ressentis en dessous de cette vidéo dans la zone commentaire. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci, partagez-la. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser, j'y répondrai en vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée, dans la conscience
des lois d'harmonie, de justice, d'équité. La vie est sacrée, nous devons la respecter. Les autres méritent notre respect, nous devons respecter les autres. Voilà, je vous souhaite de vivre un chemin de paix et d'harmonie, et belle journée. Au revoir.